Et salut tout le monde, c'est Gui84. On se retrouve sur un nouveau jeu, Don't Stare, ou je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps et je viens l'acheter avec Steam. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo détente comme ça, vite fait, sur Don't Stare. Donc j'espère que ce jeu vous plaira. Donc j'avais déjà fait une partie où j'étais arrivé au jour 2. Donc c'est, je vous explique vite fait, c'est un jeu de... c'est quoi ça? Ouais d'accord, faut choisir des personnages. D'accord, donc le jeu est forcément en anglais. Il coûte pas très cher, il coûte 11€ si je me trompe pas. How long will you survive? Start. Donc combien de temps on va survivre? On va voir. Le bonhomme nous parle, on s'en contrefiche. Donc le jeu c'est un peu comme Minecraft, il faut survivre. Vous pouvez voir en haut qu'il y a un truc avec Day et tout ça. Donc j'y ai joué mais vraiment vite fait, j'ai joué un quart d'heure je crois. Donc on peut voir des animaux tout ça, donc c'est un jeu assez sinistre. Et c'est pas trop grave, moi j'aime bien ça. Donc on ramasse tout ce qu'on peut trouver. Donc le lapin on peut pas. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc là je vais pas vous faire en une seule vidéo, je vais en faire en plusieurs. Donc je ramasse pas mal de trucs. Donc il y a pas mal de lapins ici. Ouais. Donc, ouais, ils rentrent dans leur trou. Donc on pourra les capturer par la suite. On peut créer des outils. Donc il me faut une branche. Il va falloir qu'on trouve des branches. Ah là. Donc c'est ça les branches. Il va m'en falloir plusieurs. Si je me trompe pas pour le feu. Attention pour mes autres outils donc. Donc c'est un style assez particulier, c'est un mode dessin. Tiens bah, je vais récupérer la carotte là. C'est du dessin à moitié. J'aime bien, enfin c'est du touch and click, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire dans ce petit jeu. Donc il est assez dur parce qu'en fait la nuit, il y a des... on ne voit rien. Dès qu'on est dans le noir, on se fait tuer. C'est assez particulier, donc il faut toujours avoir de la lumière. C'est pour ça qu'il va nous falloir du feu. Donc, on va prendre ce là. On va récolter du bois, donc il faut cliquer à chaque fois pour taper le bois. Vous pouvez voir que la suze en bas, la hache. Tac. Voilà, donc ça met plus de temps pour certains arbres, mais on a plus de bois, donc là je mets 3. Je vais ramasser encore, mais là, il est bien gros. Ça en donne 5, ça. Je pense vous faire un petit épisode de 25 minutes. Toc, donc les pommes de pain, je sais pas du tout à quoi elles servent. Donc je vais ramasser pas mal de bois. J'ai vu une seule vidéo de jeu. Et j'ai vu qu'il galérait quand même à trouver après ce qu'il fallait. Donc on peut voir aussi la carte, donc on explore. La carte elle se génère automatiquement, enfin aléatoirement, c'est un peu comme Minecraft. Je ne sais pas s'il y a comment ça s'appelle, bref le code là pour avoir la même map, mais bon c'est pas très utile. Et je viens de remarquer un truc, on peut mettre sur le jeu sur pause là en bas. Non c'est pour, d'accord c'est pour quitter. Continue. Je vais ramasser des fleurs en même temps. Je vais me faire un feu. Je peux me faire une torche aussi. C'est parfait. Donc là j'ai de quoi me faire. Ouais, 3 feux du hein. C'est parfait. Je ramasse la grasse. Que de l'herbe en gros. Hein. Donc ça c'est de l'herbe séchée. Ouais, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc de la nourriture, des pickberry bush. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ça doit être des baies sauvages, un truc du genre. Des fleurs, je peux pas trop en ramasser. Donc niveau gameplay, c'est vraiment simple. Oui, il y a les abeilles. Oh, je peux pas aller faire ça. Je sais pas s'ils peuvent nous attaquer. J'irai pas voir. Tiens, il y avait un buisson. Faut quand même récupérer des buissons de nourriture. C'est dark. Ah, un rocher. Les rochers sont assez utiles. On va se faire une pioche. Voilà. Bon. Ah oui, faut changer d'outil à chaque fois, c'est... je
comprends pas trop à quoi ça sert. Enfin, je veux dire, un peu bête qu'on doit contrôler avec les mains, mais c'est pas très pratique avec les mains. Je vais faire avec la souris. On est obligé de changer d'objet à chaque fois, c'est pas pratique ça. C'est un petit défaut. Oui, bon, j'ai pas fait exprès. Mais c'est pas grave, j'espère retrouver. Voilà. Je me suis complètement craqué, j'espère pouvoir faire du feu encore. Donc les cailloux, si je me souviens bien, ça va nous servir à pouvoir faire un feu infini, on va dire. C'est un peu du genre, il y a pas mal de pierres. Top. Donc c'est un petit peu une vidéo découverte, enfin, pas pour moi parce que j'ai quand même joué 15 minutes. Enfin, c'est pas énorme, mais j'ai déjà passé le premier jour. Je me suis arrêté au deuxième jour, donc enfin, ça sera peut-être découverte pour ceux qui regarderont cette vidéo. Il y a pas mal de pierres. Parce que la pierre sont assez rares, on va dire. Ah, voilà. Donc là, ça commence à. Pourquoi je ne peux plus. Bon, on va se faire un feu. Ah, je peux mettre le feu infini, donc je vais pas le faire maintenant. Je vais mettre le feu. Là. On va se mettre là. Voilà, donc il faut alimenter le feu avec des. C'est des bûches, j'espère. Ça a l'air. Je vais récupérer un arbre quand même. Je sais pas vraiment si c'est la bûche. Ça va bientôt terminer, faut que je fasse gaffe. Donc je récupère les pommes de pin, bon, je sais pas vraiment à quoi elles servent. C'est pas trop grave pour l'instant. Je vais essayer de miner ça là. On va d'abord user celle que j'ai commencé. Voilà, donc on a des gold nuggets, un peu comme dans Minecraft. Mais je sais pas si ça sert vraiment. Enfin, on verra bien. Donc il y a la science aussi, donc food. C'est quoi ça? Ça doit être des plantations, non ça? Ouais, des farms, ouais. Donc je vais me faire manger. J'ai une carotte. Donc clic droit pour manger, ouais, c'est ça. Hop, il le prépare. C'est marrant comment il prépare. Donc je les mange. Il faudra que je retrouve à manger. Voilà, c'est parfait. Je suis à l'infini. Enfin, l'infini. Au maximum. Bon, il n'y a pas grand chose à faire la nuit, c'est ça le problème. Bon, c'est pour ça que c'est assez court la nuit. Donc, ça, c'est la lune, si je me souviens bien. Ah oui, là, ça commence. Il fait vraiment sombre, hein, loin. Donc là, il y a un trou de lapin. Je vais me faire une pelle. On va pouvoir faire des pièges aussi. Ouais, j'ai pas de carottes. On va se faire un sac. Ah, mince le feu. Il faut du bois et des pierres. Non, là c'est. Ah, d'accord. Donc c'est bon. Donc celui-là on s'installera dès qu'on trouvera un endroit sympathique, on va dire. Ça c'est une araignée. Une ruche. Donc je sais pas vraiment où on peut aller jusqu'à la map. Enfin, à la fin de la map. Et combien de jours maximum on peut survivre. Ça, on découvrira assez tôt, je pense. Parce que d'après ce que j'ai vu, ça a l'air assez simple au départ. Mais quand on tombe sur une mauvaise map où on n'a pas assez de ressources dès le départ, c'est assez chaud. Donc ça, ah, ça peut repousser. Ah, c'est pas mal ça. Donc, ça, on va les ranger là. Tout ce qui peut pas me servir, ça. Je... Ah, d'accord. Les pommes de pin, ça sert à replanter les arbres. Donc je vais ranger ça là. Mais au moins, je le saurai. Donc le terrier, ouais. Je sais pas lire l'anglais, hein. Je suis un peu nul. Donc là, ça va, il va bientôt faire jour. Donc je crois être au courant qu'on peut alimenter le feu de sorte qu'il tienne même la journée. Du coup, qu'on ait le même feu toute la journée, mais enfin même la nuit suivante, je veux dire. Et par contre, il faut pas mal de bois. Donc là, normalement, il devrait disparaître bientôt. Je suis toujours en train de ramasser des trucs. Faudrait que je trouve une carotte. Ce serait sympathique. On va ramasser ça. Bon. Encore des abeilles. Enfin des. C'est quoi ça? Non, c'est une abeille. Je vais l'attaquer. Bon. En fait, on retourne là où on était. Non, c'est une autre ruche. Ok, c'est parfait, on explore, on explore. On reviendra, je pense. Oh là là!
quoi ça. C'est dangereux dans cet endroit. Je vais pas rester là. Enfin, un truc a essayé de m'attaquer, j'ai l'impression. Il est sympathique le petit bruit là qu'on a eu. Est-ce qu'on peut se faire une épée? Hammer. Un marteau, non. Et un rasoir. Ah, il faut utiliser la science, d'accord. Donc la science, on l'aura après, tout ça. Donc, on l'aura. Ça me tenterait bien de suivre la mer. Si je me trompe pas, il y a la mer. Ah non, non. Si, si, ouais. Il y avait la mer en haut, donc on a peut-être une chance de retrouver la mer en haut, là-bas. Donc on pourra observer. Ah bah là, il y a la mer, tiens. On pourra observer dans le jeu les buissons. Dans les arbres, tiens, qui poussent et qui. C'est-à-dire qui périment, mais non, qui périment pas, mais qui meurent. Et ça, c'est sympathique, ça aussi. C'est un des trucs pas mal de ce jeu. Si dans Minecraft, les arbres repoussaient tout seul, ça serait cool aussi. Ah, tu as une carotte. Des carottes. Parfait, on va pouvoir faire un piège à lapin. Je vais vous montrer. Une carotte encore. C'est parfait. Donc, le lapin, je sais pas vraiment à quoi il sert. On va. Est-ce qu'il va se cacher? Non. Donc, on va mettre le piège. Toc, on va le mettre ici. Toc. Il faut cliquer sur. Avec la carotte dedans. Ah, si je galérerai pas. Oh, attendez. Voilà. Alors maintenant il me faut la pelle. Et on doit piocher. Enfin. Voilà. Comme ça, il se barre de son terrier et on attend. J'aimerais bien récupérer le buisson aussi. Donc il va mettre longtemps à se rapprocher, bien sûr. Parce que ça va mettre plus longtemps. Donc, on va explorer un peu en attendant. Ah. Ça m'a l'air d'être le marais ça. Oula. Je sais pas ce que c'est que ça. Oh, ça a l'air d'être une grosse liane qui veut nous manger ou je sais pas quoi. Enfin, elle veut nous taper en tout cas. Voilà. Donc le lapin est arrivé dans sa cage. Et du coup on peut récupérer. Voilà, donc en plus on récupère la cage, on peut l'utiliser 10 fois. C'est pas mal. Ah mince. Ah bah c'est parfait ça. Donc on va passer vite fait dans le marais. Dans les fleurs. On va prendre des fleurs. Ok, donc ça passe dans une fleur. Donc j'aime bien ce jeu, franchement. Enfin, je me vois pas jouer autant que Minecraft, mais c'est un jeu qui est pas mal. Donc si vous voulez le tester. Voilà quoi. Ah oui, tiens, donc je voulais aussi vous parler. J'ai une petite annonce à faire. En fonction des vues qu'il y aura sur cette vidéo, je ferai un concours. Car Hazard n'a pas voulu. Enfin, quand en fait, quand on achète le jeu, on a le même jeu à offrir à quelqu'un d'autre. Donc ça fait deux jeux pour le prix d'un en fait, et on peut l'offrir à quelqu'un. Donc en fonction des vues qu'il y aura sur cette vidéo, je ferai un concours. Donc je le mettrai dans le titre bien sûr, mais je ferai un concours. Oh, il y a plein d'arbres ici. Je ferai un concours pour que vous puissiez le gagner. Parce que, voilà quoi. Ah. Donc si je me rappelle bien, c'est un village cochon. C'est pas mal ça. Enfin, on m'a dit. Enfin, on m'a pas dit, mais. Egli Monkey Man. Non, c'est pas un homme singe, je sais. Pig King. Ah, le roi des cochons. Donc, on va rester pas loin de ce village. Mais, j'ai vu dans une vidéo que il paraît. Que la nuit de pleine lune, il se transforme en. Cochon-garou. Donc, c'est un nom assez stylé, on va dire. Et bah j'aimerais bien voir ça. On verra bien. Donc je vais récupérer un peu de bois. Non, j'en ai 8 déjà. Bon, je vais récupérer quand même, ça peut nous tuer. Ah là il y a de la pierre. Alors c'était quoi le machin là-bas que j'ai vu passer? Ça a l'air d'être un monstre. Ouais. J'espère pas que c'était un monstre. Ah, il y a un œuf. Enfin, je sais pas ce que c'est. Bon, bref, je découvre tout avec vous. Ça, c'est pas mal. On peut aussi mettre le feu dans les arbres. Donc, je vais pas mettre trop près. Voilà. On va se mettre là. On va couper l'arbre là. Toc, toc, toc. Ah, ma faim là, elle est basse.
Hop. Attendez, 2 secondes, je vais faire une petite pause. Donc voilà, meurs, voilà, donc c'est juste mon chat qui voulait rentrer. On va prendre ça. Donc on va... Non, j'ai plus de pioche. J'ai l'autre. Parfait. Oh, il y a des trucs. Oula. Il fait sombre, c'est assez loin. Enfin, non. On va mettre du bois dans le feu. Et on va peut-être se nourrir. Donc voilà. What? Merde, c'est pas ça. Non! Donc là, oui, ça doit redonner moins de nourriture quand on les cuit. Enfin, quand on les cuit pas. Donc là, j'ai perdu de la bouffe pour rien. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment beaucoup de réserves de nourriture pour l'instant. Mais on a récupéré déjà un berry butch. Ou bush, je sais pas ce que c'est. Donc on verra bien après. Donc je remets du moins dans le feu encore. Toc. On va miner les pierres qu'il y a ici. Kind of that. Non. Donc du flint, donc du flint, du... Du flint. Je sais pas si les monstres peuvent venir dans la zone là où je suis. Bon, j'en profite hein, comme ça la nuit pour ramasser quelques ressources qui sont à proximité. Mais là, je vais pas tenir là. Ça c'est clair. Toc. Là, il va me falloir des brindilles pour faire le feu, non? Ah oui, voilà, c'est ça. Ah non, j'ai plus d'herbe. Ok, donc on va aller retrouver de l'herbe. Pour le grand feu, il n'y a pas besoin, non. À moins qu'on trouve une zone sympa. Ouais. Après, il va faire jour. On termine vite fait. On va partir directement. Donc, les jours passent assez vite. Enfin, ouais, les jours d'ailleurs. Voilà, on est déjà au jour 3 et on n'a pas. On a mis à peu près 20 minutes. Ça doit durer 10 minutes le jour. Enfin, la journée en tout. Pas mal de pierres ici. C'est bizarre. Il y en a qui galèrent pour en avoir. Moi, je galère pas du tout. Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est l'herbe. J'espère trouver une autre zone où il y a de l'herbe. Bon, le partout. Donc, ça, c'est une carrière, j'ai l'impression. Oh là là, la chance qu'on a. Je sais pas vraiment si les pierres nous servent beaucoup après, mais ça m'a l'air pas mal ça. Voilà, pour terminer. Donc, on a de l'or. Pépites d'or, on verra bien à quoi nous servent plus tard. Donc on va se dépêcher, donc là on va pas rester dans cette zone sur la carte. Ouais, on a de la chance. Donc là il m'a l'air d'avoir des monstres, donc c'est bien, il y a des petites indications sur la carte, c'est pas mal. Ah, on a bien avancé en fait. Je vais remonter, pour retrouver de l'herbe, ça serait pas mal aussi ça. Ouais, là c'est une grande forêt. Ouais, on revient à côté des cochons. On va essayer d'explorer en plus de la zone. Enfin, des zones en même temps. Donc, ouais, là il y a un arbre mort. Est-ce que la zone est bien tout là ou pas? Ah non, 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 non. Ouais, donc non, on va pas par là. On va aller par là, tu vois. Au pire, je vais faire mon feu infini là. Mon feu de camp. Mais pas maintenant. On vient de commencer la journée, on a le temps. On va récupérer quand même des brindilles à force parce que on aura besoin. Donc je vais pas attaquer ça pour l'instant là. Les araignées. Ça me plaît pas trop de passer par le marais. Ah voilà. Donc là, on s'est fait attaquer. On a perdu de la vie. Fasse attention. Voilà. Des graines. Ah voilà, de l'herbe, c'est parfait. Mince, bon, j'ai arrêté avant la fin. On n'a pas assez d'air pour se faire un feu, à mon avis. Non, nous en manque une. Donc la vie, je ne sais pas du tout comment on la récupère. Parfait. It's so good. Ah, donc ça, c'est les champs.
Ça me plairait bien de m'installer dans une zone comme ça. Donc on va récupérer les crottes. Ça sert d'engrais, si je me trompe pas. On peut faire des champs après avec ça. Ils ont vraiment une tête spéciale. Pas des crottes, il y a... On va faire des champs. Un champ du moins. Ah, de l'herbe, parfait. Ah non, non, non. On va faire ça plutôt. Voilà. Comme ça, on a la graine et on a l'herbe. Donc là, je peux me faire un feu... Tu vas pas rester. Donc ça me plairait bien de rester par là. Tiens, il y a de l'herbe là-haut, je vais remonter. Enfin, je sais pas si vraiment... Si c'est de l'herbe. Non, c'est quoi ça? Des digues. Attendez. Ouais, non, ça c'était de l'herbe. Ok. Ça serait pas mal de rester par ici. Ah là, il y a de l'herbe encore, je vais récupérer. De toute manière, on en a besoin, donc... Ah, il en manque encore une pour faire deux feux. Ah bah, c'est bon. Je crois. On va récupérer ça. Voilà, donc on va explorer. On va suivre les chemins, en fait. Je crois que ce serait le meilleur à faire pour se retrouver après. Attention, il y a la map, mais... pour à peu près. Donc j'aime bien comment il marche, c'est stylé. Donc je redis, hein, pour ceux qui regarderont pas la vidéo en entier, juste la fin ou je sais pas. Et je ferai un concours que pour gagner ce jeu, que si y a pas mal de vues sur cette vidéo. Et les conditions, je vous les donnerai dans la prochaine vidéo. Donc on verra ça. Parce que je referai une vidéo pour vous parler un peu de tout ça. Je pense que ce sera le mieux à faire. Là on avance vers... ouais. Ça me plairait bien de rester par là quand même. Parce qu'on a des arbres, c'est un peu sombre on va dire. Je préférerais la zone de départ là, bien verte. Tranquillou. Donc là on va bientôt avoir la nuit. donc si je me trompe pas, cet épisode il sera posté le 26. Ouais c'est ça. Parce qu'on est le 25, je vais le poster directement quand je l'aurai fait. Ah bah tiens, encore une zone, c'est parfait. Je vais le poster directement dès que je l'aurai fait. Donc je sais pas s'il sera dans la... Enfin, s'il sera après minuit ou avant. Et j'ai aussi lié... Enfin je vais lier toutes mes vidéos à Steam. Ça pourrait être sympa. Et pour ceux qui ne connaîtront pas. Donc là c'est quoi comme zone ça hein? Ah non non non. Oh c'est cool ça. On va rester dans le coin. Ah bah parfait. Là on a trois. Oh. La vache, tout le monde qui s'est ramené. Ouais, voilà c'est là. Donc on va se faire le feu ici. On va faire un feu normal pour l'instant. Et on verra par la suite si je m'installe ici ou pas. Oh, il a poussé les gens, monsieur. Là, c'est quoi comme zone, ça? Toujours la même zone. Ouais, c'est parfait. On aura des pierres à proximité, ça serait cool. Des pétales. Donc, on va les cuire. C'est vrai que la nourriture part assez vite. Ah, oh, si, je vais m'installer ici, ça me plairait bien. Donc, ils dorment la nuit, ça, c'est pas mal aussi. Il fait assez de bruit. Il y a trop de monde. Mais comme ils ont attaqué le map tout à l'heure. Ah oui, donc manger. Ah, t'as faim, oui, c'est bien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à manger. Non. Est-ce que ça se mange ça? Ça sert comme fuel. Ok, est-ce qu'on peut cuire ça? Non. Poser, mais on peut pas cuire, c'est dommage. Donc là on aura perdu, enfin il nous manque de la nourriture quand même. On peut pas arranger les trucs. Si toc, pomme de pain, toc, les crottes. Donc ça me dirait bien de planter l'herbe là. On va planter ça ici.
Hop, comme ceci. Je sais pas si ça pousse mieux dans cette zone ou pas. Et les buissons, on va les poser là. Voilà. Donc je pense qu'on va finir la journée et puis ça va être bon après. Je pense qu'on va se quitter après. Donc franchement j'aime bien ce jeu. Comme je disais, je me vois pas trop jouer à ça tout le temps, mais il est assez stylé. Ah c'est ça tiens. C'est de la viande de. Là je peux manger donc. Est-ce que je peux cuire? Comme ça va être parfait. Oh c'est bon ça. Ouh ça rend pas mal j'ai l'impression. On va attendre le jour et puis on va explorer vite fait pas loin. Donc je note pas cette zone, non. On va dire que c'est l'intersection ici. Donc c'est la journée. Par contre, je vais déterrer le nid là. Ce que je peux faire. Ah, il y en a pas mal, vache. Donc je vais découvrir la plupart des choses avec vous. Tiens, oui, je voulais faire ça. Si c'est ça. Voilà. On va se mettre celle-là. J'ai pas de graines, mais c'est pas grave. Parce que j'ai des cils. Voilà, parfait, des cils. Ça se plante ici et je peux mettre. Oh. Normal qu'il se mette le cul dans mon feu. Moi qui est en train de chier, mais. Et voilà. Bon, on va explorer vite fait par là. Ah, une carotte. Parfait. Bon, les petites zones vertes, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir plus. Ah, une carotte. Je sais pas vraiment si on peut. Oula. Ah, un terrier. Toc. Mais non. Ah là 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 là. Ça c'est dommage aussi. On va creuser le terrier. Voilà. Donc on touche pas aux abeilles pour l'instant. Si c'est des abeilles. L'herbe des brindilles aussi ça sert pour les outils. C'est quoi ça? J'ai quand même 33 pierres, ce qui est pas mal. Je crois qu'on a une carrière pas loin. Je sais pas vraiment si on peut construire des maisons ou trucs comme ça. Et on va aller regarder d'abord la science avant de partir explorer loin. De la peau aussi. On plantera l'herbe après. Toc. On a un lapin en plus. On va le ranger avec l'action. On sait pas stacker. Ok. On va éviter de ramasser les autres lapins alors. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça sert peut-être pour la science. J'en sais rien. Des lapins de laboratoire. Bref. On va planter les. On va les planter, c'est là je veux dire. Donc là on a déjà planté pas mal de trucs. Planter ça là et ça là et là. Voilà, l'herbe aussi. C'est pas mal les petites plantations. Franchement, niveau agriculture c'est assez bien. Une crotte. Je me disais, ils sont en train de tourner autour de mes plantations. On va mettre le feu ici. Pas trop près. Voilà, il a l'air d'éclairer pas mal aussi. Alors, science machine. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. On va le mettre là. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fight. Fight. Il faut de la corde. Alors, les cordes, c'est. Rope. Oh, c'est ça. Hein. Ouais, rope. Chest, donc c'est un coffre. Pig house, une maison pig, enfin pour les cochons je veux dire. Bird cage, diamond. Ah, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai la nourriture. Magic system, de la pourrie, c'est pas grave. Alchemy engine. Ah, il faut des plumes d'oiseaux.
Ah, je peux descendre. Non. Non, c'est... donc ouais, on peut construire quand même une maison de cochon. Comment on fait des cordes? Croque-pot. Je peux me refaire un sac, est-ce que ça marcherait? Non, on s'en fout. Et trois. Bug net. Fishing rod. Alors par contre, comment on fait de la ficelle? Ah, des pumpkin lanternes. Je peux débloquer d'autres outils. Enfin, non, mais je peux rien faire. Il me faut de la ficelle. Non, il faut de la... J'aurais perdu une journée à faire ça. Ah, ça donne des points de recherche. Enfin, de recherche. Voilà, parfait. Donc, on va mettre ça dedans. Si on met le lapin, on peut pas. Voilà. Un peu vite fait là parce que... Toc, toc. Allez. Je vous avoue tout de suite que je testerai pas vraiment là pour la nuit. Hein. Pour savoir si... on se met direct. Oh là, mince. Ah, mon feu quand même s'éteint. Ah oui. C'est juste qu'il est infini et voilà. Ok. Dress. Miner art. Ah, j'ai découvert ça. Ah oui, on peut montrer, enfin, descendre ça. C'est du pur dessin quoi. Donc on peut chercher là-dedans. Bug net. Hammer, c'est bon. Un rasoir. C'est tout. Est-ce que ça nous servirait vraiment? Un rasoir. Donc ouais, en fait j'ai un petit peu envie de continuer le jeu, donc on va agrandir un peu la vie. Genre 35 minutes, on va s'arrêter, ouais. Prochaine nuit. Ouais, non, en fait je sais pas. Ouais, on va attendre la prochaine nuit. Tiens d'ailleurs, c'est ça. Donc eux ils dorment pas dans mon campement. Donc le feu éclaire assez loin, donc on a de quoi bouger. Et je pense que je ferai plusieurs feux tout autour pour éclairer toute la zone. Comme ça je pourrais me déplacer assez librement. Ça serait cool. Donc là je vais les miner vite fait après. Est-ce que j'ai de quoi faire des pioches? Oui. Ah, manger, c'est ça, ouais. Voilà, ça rapporte pas mal. Il m'en faudrait un autre. Il faudrait que ça marche parce que j'ai plus rien à bouffer. Tiens, on va planter là, lui. Oula! Il s'est fait attaquer, l'autre bonhomme. Allez, vas-y. On fera de la viande. Enfin, allez-y, plutôt. Ça doit être un monstre. Ce sera un des premiers monstres qu'on aura vu. Ah, il y a encore un bout de viande. Oh, c'est bon ça. Ça a des cuisses de poulet. Ah ouais, il est resté. Ah, c'est bon ça. Ah, il a de la barbe, d'accord. Donc le rasoir sert à se raser. Pas con. On va se faire d'autres champs, tiens. On va se mettre la pioche. Donc j'essaierai de tenir le plus longtemps possible. Hein. Donc là déjà le record à battre c'est 5 jours pour l'instant. Je pense que je tiendrai plus longtemps. Je suis tombé sur une assez bonne map. Enfin, je pense. Là, je suis dans un carrefour des biomes on va dire. Allez, non. Voilà. Donc le marteau je sais pas vraiment à quoi il va servir si on le prend. Je sais pas s'il sert d'arme ou pas.
on a une pépite d'or à chaque fois. Donc on a pas mal de... C'est pas mal. Je crois savoir qu'on peut aussi capturer les oiseaux avec la cage qu'on a utilisée pour les lapins. Avec des graines. Des graines, je sais pas vraiment comment on les a. On va peut-être trouver du blé, je sais pas. D'ailleurs j'ai une graine mais je sais pas comment. Hop, hop, hop. Je sais pas si ça va me servir beaucoup les pierres. Si je veux faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire le feu et tout ça. On verra bien mais... Donc on va ramasser ça. Donc là on fait full minage. Ouais. Là il y en a qui viennent aussi, j'ai l'impression encore. J'ai vu un truc bouger, bon bref. Donc c'est un jeu assez sinistre quand même. Hein. Ça on peut le dire. Oula, qu'est-ce qu'il fait avec ses jambes? Allez, je vais vous inviter à regarder vite fait quand je vais miner le, la pierre. Regarde ses jambes. Ah non, on la voit pas. Ah non, il saute, d'accord. Je croyais que ses jambes, elles seraient mangées. Moi, je peux plus miner. Oh, c'était bizarre. Toc, toc. Donc, il y a des corbeaux. On a exploré par là ou pas? Ouais, on a exploré un peu la zone autour. Tiens, j'ai envie d'aller voir un truc là. Donc, mon campement est là-haut. Non, continue. Je serais capable de me perdre. Hop, je sais pas quand je suis dans mon campement. Ouais. Ah, j'ai que 4 pépites. On a 105 points de recherche, c'est pas mal. Non, encore une. Cupride. Non, non, non. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est du fuel. Ça doit servir à quelque chose, mais à quoi je sais pas. Ah, c'est ça les graines. Ah, d'accord. On va essayer de planter, enfin de faire notre champ. Non, bien sûr, j'ai pas ce qu'il faut. Non, non, on va pas prendre la pelle. De toute manière, ça repoussera assez près de notre camp, donc ça va être bon. Voilà, on va se faire un autre champ. Juste à côté. Toc. Ah, j'aime bien ce jeu. Je pense que je vais continuer quand même avec vous cet épisode. Enfin, cet épisode. Cette, on va dire, mini-série sur ce jeu. Voilà, donc on a planté ça. On va voir pour la recherche du fight. Loxit. Ouais, mais les cordes, c'est ça le problème. Les robes. Donc ça, c'est bon, les fluides, tout ça. Mais c'est les robes, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est la ficelle, mais. Voilà. Donc, on peut pas descendre. Chest, B-box. Ah, rope, voilà. Ok, voilà. Donc il nous faut ça. Donc je vais prendre avec la pelle. Je vais en planter plein à côté de nous, ça va être cool. On va tout prendre. Hop. Et ça nous permettra de faire la ficelle. Ça sera assez bon. Je pense mettre la vidéo pour... le petit concours dans 2-3 jours, je pense. S'il y a assez de vues sur cette vidéo, et je vous mettrai donc les conditions dans la vidéo. Donc, on va rentrer et on va s'arrêter là après. Si vous voulez, genre, je vais aller vers la bonne direction. Hein. Oui, c'est là. On va mettre du bois dans le feu vite fait. Toc. Voilà. On va cuire ce qu'on avait trouvé. C'est où? Là. Cook. C'est bien. En plus, on a une source de nourriture juste à côté. Qui est mis assez longtemps à manger, mais pour ce que ça nous redonne. Allez, on a rattrapé notre vie, donc on doit rattraper quand on a assez de nourriture. On peut rechercher autre chose encore. Ça me
J'arrête bien de rechercher le... Ah tiens, c'est quoi ça? Il faut du bois, des crottes. Ok. Ça doit être une plus grosse agriculture, je pense, ou un truc du genre. Donc, je peux plus rien chercher. Est-ce que je peux mettre les pierres dedans? Ah bah parfait. J'ai pas mal de pierres. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de les gaspiller. Toc. On va essayer ça. 3 points. On va essayer du flint. En fait, j'ai l'impression que tout donne des points de recherche. Enfin, des, ouais, des ampoules, on va dire. Non, on va pas gaspiller notre herbe. Non. Attendez. Non. Ça, c'est pour planter. Je vais essayer de faire assez serré. Voilà. Pétale. On va mettre le pétale dans l'arbre pour la recherche. Toc. Et hop, on a 74. Je suis en train de vouloir encore continuer de jouer, mais en fait, je pense que les amis, on va se laisser ici dès que le jour va commencer. Et j'espère vraiment que cette vidéo sur ce nouveau jeu vous ait plu. Franchement, moi j'aime bien ce jeu, je le trouve assez cool. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et puis, je sais pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bye.